Bonsoir à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, et bienvenue sur la chaîne de Laurence Thilloy Sème la Lumière. Merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, et merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis un certain temps, depuis plus récemment. Alors moi, ça faisait quelque temps que j'étais pas venue vous voir, vous parler en tout cas. Parce que il y a eu quelques grains de sable dans mes engrenages. C'est-à-dire que je n'ai pas assez écouté certains signaux que m'envoyait mon corps. Et donc du coup, ça a dépoté un peu plus fort, on va dire. D'où l'obligation d'accueillir, d'entendre le message, d'accueillir et de se donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur à cet endroit-là. Oui, beaucoup de douceur à cet endroit-là. Quand on est dans la lessiveuse, c'est pas des moments agréables à passer, c'est évident. Cependant, il y avait des choses qu'il était nécessaire d'entendre à nouveau. Et d'intégrer, je crois. Et pour finir, j'ai fait une crise de foi. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je danse avec les mots. Et je m'attache plus à la résonance du mot en moi qu'à son sens, sa signification, celle qu'on pourrait trouver dans le dictionnaire. Je ne suis pas en train de vous dire que les mots n'ont pas un sens, c'est pas ce que je dis du tout. Mais moi, je m'attache au son. Et donc, j'ai trouvé intéressant de faire une crise de foi. Mon foi, F-O-I-E. Mais ce mot-là, il a une résonance, un son identique à deux autres mots qui n'ont pas le même sens dans le dictionnaire, mais qui pourtant vibrent avec le même son. Parce que le foi, F-O-I-E, mais la foi, un synonyme de la foi, c'est la confiance. Et puis la foi, F-O-I-S, comme dans « Il était une fois ». Trois mots, trois significations différentes pour un seul et même son. De mon point de vue, qui n'est que mon point de vue, ça n'est pas une coïncidence. Ça n'est absolument pas une coïncidence. Et de là à penser que la crise de foi que j'ai faite me parle de spiritualité,
Eh ben moi je franchis le pas. Moi je le franchis ce pas. Voilà. Donc c'est ce que j'ai entendu résonner et vibrer en moi. Peut-être ça vous parlera à vous. Peut-être pas. L'important, c'est ce qui est là pour vous. Et donc, ça a nécessité ces deux grains de sable dans l'engrenage. Ça a nécessité que je prenne le temps pour moi. Et que je ralentisse. Que j'écoute. Qu'est-ce que ça pouvait bien dire tout ça? Parce que le corps, il nous parle. Le corps nous parle vraiment. Alors au début, ça va être des choses très, 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 très fines. Et puis, on n'entend pas ou on dit, wow, voilà quoi, on prend ça un peu par-dessus la jambe, un peu à la légère, et puis on n'écoute pas. Et puis, on n'écoute pas une fois. Donc la deuxième fois, ah tiens, c'est bizarre, c'est un peu plus fort. La douleur est plus intense. Hein? Oh. Oh, ça va passer, c'est pas grave, ça va passer. Peut-être. Peut-être pas. Et puis la troisième fois, c'est plus fort. Ok. Bon. Allez, je me pose. Et là, cette fois-ci, je me mets à l'écoute de mon corps. Parce que s'il m'envoie ce genre de signaux, c'est que il y a quelque chose à comprendre. Dans mon cas d'espèce, donc je parle de mon expérience parce que je ne peux pas parler d'autre chose, je ne serais pas légitime si je vous parlais d'autre chose que de mon expérience. Il y avait quelque chose à comprendre dans l'énergie. Et cette pause un peu subie, mais super nécessaire, a fait que j'ai pu recevoir et accéder à certaines compréhensions. Plus, je pense qu'il n'aura pas échappé à grand monde que en ce moment les énergies, c'est. Allez. Bon. Et puis je sais pas pour vous, mais moi, 2024, dans mon cas, j'ai conscientisé la chose suivante. C'est que 2024. Elle va pas beaucoup me laisser de marge d'erreur. C'est ce que moi j'en comprends pour moi-même. Donc. Affaire à suivre.
On a encore 9 mois. 9 mois, c'est intéressant. Beaucoup d'ancrage. Tenir le cap. Savoir lâcher prise quand c'est nécessaire. Alors, très chère semence de lumière et d'amour, j'espère que ce petit partage vous aura intéressé. Peut-être qu'il aura résonné en vous ou pas du tout. L'important, c'est ce qui est présent pour vous et la résonance que ça a pour vous. Et moi, je vais terminer cette vidéo en vous disant et en vous souhaitant de prendre bien soin de vous. C'est important, ça vous porte. Et de mon cœur à votre cœur, je vous aime et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!